La chimioprévention saisonnière du paludisme, donc la CPS, c'est une campagne qu'on fait lors de la population de moins de 5 ans pour pouvoir prévenir, on va dire, la sévérité qui entraîne la malaria dans des zones hyper endémiques, comme c'est justement Moïsala. On part d'un taux de positivité et en période de pluie, c'est plutôt 86%. Les principales difficultés de la CPS sous contexte Covid, protéger les staffs. C'est la première priorité qu'on a, donc ça s'entraîne du matériel, donc une chaîne d'approvisionnement, etc., qui est un petit peu difficile en ce moment. Une des autres difficultés très fortes, c'est purement opérationnel, le risque-bénéfice. Être vecteur des propagations du Covid versus tolérer des taux de mortalité qu'on sait qu'ils vont arriver si on ne prévient pas la sévérité de la malaria dans cette région. Il est évident que les taux de létalité du Covid, d'une manière générale, tournent autour de 10%, alors que la malaria, comme je viens d'expliquer, va tuer plein des gamins de moins de 5 ans dans cette population. Thank you.